Hello les copains, qu'est-ce qu'on va aller faire aujourd'hui? Bonne question. Eh ben moi je vais vous le dire, je suis en contact avec Thierry de la Boiserie là depuis plusieurs jours. Et j'ai une anecdote vraiment cool à vous raconter. Et puis ben bref, je vous le dirai dans la vidéo, mais là on va aller prendre la route. On va aller, il fait une journée roulage à la cool, fun. Et il m'a dit surtout, t'inquiète, tu viens mon cousin, ça va rupter. Donc j'ai envie d'aller voir si ça va vraiment rupter. Et j'ai même pris mes affaires de moto, ça fait 4 mois, plus de 4 mois que j'ai pas fait de moto, vous savez, je m'étais pété les vertèbres. Donc voilà, j'ai pris ce qu'il faut, petite journée à la cool, et je vous le fais voir en vidéo. Allez, go! Vous avez été pas mal à réagir par rapport à l'annonce des pilotes 2023. Et ben plutôt positivement, et ça m'a fait plaisir. En tout cas, ça va être une putain d'équipe. Et d'ailleurs, j'en ai même qui m'ont dit, ah, mais Brice Meilin, c'est qui? Et ben, bon, déjà, on dit Meilin. Même moi, je savais pas au début, c'est Brice Meilin. Et Brice, et ben, pour la petite info, hier soir, il a gagné le Supercross du Luxembourg. Donc, il y a encore une soirée ce soir. Il a gagné les deux manches. Donc, je peux vous dire que ça met du gaz. On va bien bosser cet hiver. Et à mon avis, Brice, vous allez l'entendre beaucoup plus que vous imaginez l'année prochaine. Mon copain, je t'ai pas tout dit, dans moins de 2 mois, il y a le Supercross de Paris et on a prévu un truc de malade mental, mais vraiment un truc de fou, ça va être une coretterie. Donc j'en dis pas plus, restez connectés parce que d'ici les prochains jours, on va en parler et je pense que vous allez être surpris. On est sur la route, donc on va se rejoindre avec Mathis et là, qu'est-ce que je vois? Bon, on vient d'arriver, pas mal de monde. Voilà, il fait beau en plus, donc ça va être une journée plutôt cool. Bon, vous êtes chaud les gars? Ouais. Je veux que ça watte un peu là. Là, tu as roulé? En fait, moi, j'ai fait des tours. C'était en 2013 ou 14? Non, 15 peut-être. Il m'avait acheté ma voiture il y a plus de 10 ans. Ah ouais, il m'a envoyé un message, je m'en souvenais même pas, tu vois. Ouais, ah ouais, mais il y a. Non, t'as arraché cette voiture en plus. Hein. Ouais, t'es mortel. Ouais, mais ouais, ça va faire. Et tout, c'est envoyé bien comme il fallait. Attends, on est en 2022, ouais, ça va faire 10 ans. Ça va faire... Bon, allez, on est journée la Boiserie, mais les fans du Team 737 qui sont là. Ah, des grands fans du 737, là. Non, par contre. Bon. Lucas et puis du coup Enzo qui sont là, des fans, vraiment des fans, ils ont tout acheté. Hein. J'aurais fait des strings, Lucas il m'a dit tu fais des strings, je les mets. Bah, je crois que on est à l'aise, hein. Bon, il y a un peu de monde qui roule et des petits sauts sympas, voilà. Bon, comme j'ai dit, c'est plus histoire de passer une petite journée fun. Bon allez, on va s'habiller 5 minutes. Coup de moto. Par contre, Mathis, il faudrait que tu m'expliques où est le frein avant, l'embrayage, l'accélérateur, parce que je sais plus trop. Hein. Okay. Tu as réussi à le vendre ce machin? J'en parle pas souvent, mais nos casques cette année ont été peints par Watts Aero Design. On a déjà fait une vidéo. Voilà, si vous avez une peinture de casque à faire un jour, c'est lui qu'il faut appeler, personne d'autre. Je sais pas comment il fait ma piste, mais à chaque fois la poignée d'accélérateur, elle est béton. Mm-hmm.
béton armé. Bah, quand je dis béton armé, c'est béton armé. Mais c'est cool de rouler un peu quand même. Mathis, il me fait rêver parce que Mathis, depuis qu'il est dans le team, je me fous de sa gueule. Ah, ça, c'est une confidence que je vous fais, je me fous de sa gueule parce qu'il roule avec des poignets toujours durs. Et quand, quand on lui met des poignets souples, il dit qu'il n'arrive pas à rouler, qu'il se fait embarquer par la moto. Tu vois ? Ah bah, je peux vous dire que celui-là, là, le petit avant-bras, il sort un peu. Ah, Mathis. Mathis, c'est bien parce que tes poignets, elles sont hyper souples encore là. Ouais. Hein, ça, c'est. Ouais, bien, toi, tu me donnes la pourrie ? C'est toi qui l'as pris. C'est bien ça. Petit terrain, les vignes à côté, le petit raisin. Il est bon en plus. Tiens, regarde, il y a Thierry de la Boiserie qui arrive là, on va le chauffer, à mort. Bon, ça roule pas mal quand même. Ouais, il est bien clair. Ouais, même toi, tu roules pas mal. Par contre, je vais devoir se crever. Hein. Ouais, je suis pas venu ici pour rien. Hein. Je vais devoir se crever. Ouais, bah, elle marche pas. Hein. Ouais, j'y mets une petite branlée la boiserie. Bah, si tu veux lui faire voir un peu comment ça se passe. Oh, chaud. La star. C'est chaud. Oh, la star. Ah, je rigole, en vrai, en plus tout à l'heure, j'en chiais, j'avais mal au bras, limite il me dit ça. Non, c'est pas. Ce mec, tu sais, qui passe du connard, tu sais, au gars, quand on fait trop. On lui a mis une pression là.
On s'est serré partout et tout, mais c'était cool. Non, c'était marrant. Il roule pas si mal en plus. Franchement, il roule bien. La seule flaque du circuit, il y en a qu'une. Mathis, il passe dedans, il me repeint. On a essayé de mettre de la pression partout. Ah, c'est bâtard. Lui, d'un seul coup, dans la ligne droite, j'ai voyé. À un moment, dédié. Je me disais, j'en vois un peu quand même, là. Je vais un peu vite, tu vois. Et là, je te vois, toi. Après, la ligne droite du fond, là, où il y a tous les coups. Non, mais l'avantage d'avoir des bonnes suspensions, c'est que quand c'est déglingué comme là, c'est la montée, là, quand même. Ah, ouais. Le trou, les trous là-bas. À moins, la moto, de toute façon. Non, c'est avec les clics. Prêt, toi. Je sais pas, je sais qu'elles sont top. Tant que ça marche. Ouais, elles sont mortelles. Je te voyais, t'en remettais un peu là. Par contre, mon salaud là, tu peux pas. Il y a une flaque dans le circuit, faut que tu la prennes en arrière, tu m'as crépi. On mets-le dans le slip, ça, Lilian. Non, c'est bon. C'est pas, en vrai, on a été étonnés parce que. On s'est dit, on va aller derrière, Il met du gaz. Il roulait pas si mal, quoi. Franchement, hein. Ouais. Mathis, il était à fond derrière. Ouais, là. On a changé les motos pour tester. Donc, ça, c'est la moto de course de Mathis. Moto d'entraînement. Il m'avait laissé la moto d'entraînement, la bête, là. Et ça a rien à voir. Hein. En vrai, non, mais elle marche, hein. Elle marche bien. Puis la puissance, elle est bien répartie, c'est top. Je suis parti devant Mathis, on a mis la GoPro derrière. Il avait du mal à suivre, hein. Il avait vraiment du mal à suivre. Ça va quand même les bras, machin et tout. Ouais, ça va. Non, là honnêtement, je cherche pas forcément trop la vitesse, mais je l'entendais jouer derrière. Je peux vous dire que c'est frustrant. Oh,
les souffles devant l'appel, t'es mort. On a fini la journée avec la boiserie, c'était cool, on a bien rigolé. La piste était fun, il y avait des bons petits sauts, donc c'était plutôt cool. Maintenant, on va lui dire au revoir et demain, moi, j'ai une course en ligue, donc voilà. Vas-y. Journée terminée. Bah, c'était cool. Franchement, on a passé un super moment. Je me suis régalé. Ça a fait du bien de remonter un petit coup sur la moto. Alors, du coup, honnêtement, un petit coup, ça me suffit. Je vais pas reprendre la moto tout le week-end. Je préfère rassurer tout le monde. J'ai reçu des messages. J'ai mis une story. Il y en a qui m'ont dit ouais, alors tu reprends la moto. Non, voilà, c'est sûr et certain, je ne reprendrai pas la moto. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Une petite journée sympa avec la boiserie. Voilà, Mathis était là aussi. Et puis, pas mal d'autres pilotes bien sympathiques. Donc, je vous dis à très vite et puis prochaine vidéo, ça sera une vidéo présentation du Freelap. Donc je vous dis à bientôt, ciao ciao.